Bonjour tout le monde, bienvenue sur Palm Island. C'est la première fois que vous montez avec nous. Pas ici là. L'important pour cliquer sur le bouton subscribe là et puis pour peser sur cloche là. Si vous souscrivez déjà, veuillez bien cliquer sur cloche là sur tout pour capable joindre toute information que nous partager avec vous au cours de journée. Je dis à nous venir parler de une information importante qui concernait investigation qu'a menée sous Donald Trump concernant Jean Lité. Et fait pression sur le président ukrainien pour être capable de monter le dossier sur Joe Biden, sur le rival Joe Biden. Maintenant, il y a un bagage qui fait hier là, c'est, on dit avant-hier, en parlant de lundi, c'est déposition de William Taylor, monsieur qui s'est envoyé en Ukraine. Maintenant, déposition, monsieur, il a dit, ça a touché Donald Trump jusqu'à dans zoo. Déposition Monsieur Fea pendant 17 ans, bien entendu, et craser toute tentative quelques républicains ont fait pour défendre Donald Trump pour dire pas de gain, qu'un intérêt que bah bien passé. Et tout ça, d'après tout ça, Monsieur Dio lui montrait à clair qu'effectivement Donald Trump a cherché des intérêts, il a attendu des intérêts. Dans le sens que tu as attendu que pour Ukraine fait une déclaration publique sur l'investigation avant pour le 20 comme. Monsieur détaillé, attendez bien, Taylor détaillé tout bagaille qu'il considérait qui irrégulier dans les démarches négociées, tu as pas le faire. Faut nous bien, tout de suite après déposition Taylor là, il y a un bon républicain qui est obligé de faire même mouchou, qui dit il n'y a pas qu'à dire rien encore, il y a suivre. Bientôt après déposition Taylor, 10 heures de temps, il y a un bon républicain qui était bouche bée. Comme il n'y a pas qu'à dire, il y a beaucoup de décisions, mais qu'on n'y a pas qu'à ouvrir bouche pour dire, pas de gain, ça n'a rien quid pro quo, notion quid pro quo, ça veut dire, ouais, et c'est satisfait intérêt personnel, pas, okay? Parce que c'est une déclaration tête chargée. D'après des experts, yo di, si yo ta président, nan moment a parlé là, li ta pi bon que monsieur admette qu'effectivement qu'il est coupable et peut-être chercher un pardon. C'est ça que ta pi bon stratégie a, parce que bagayo, au lieu pour la continuer, dit que li pa fè rien qui mal. Maintenant, Taylor, William Taylor là, c'est un diplomate. Li passé sous des pouvoirs républicains, mais passé tout sous administration démocrate. OK? Monsieur dit à clair que réunion White House avec gouvernement ukrainien, c'est un bagage qui était conditionné. Conditionné pour monsieur Fayon un annoncement public. Il dit, tu attends que le président prenne micro de manière publique. Dit oui, il pourra relancer investigation sous petite Biden. Donc, c'est condition ça pour te bah, monsieur Kobla. Taylor, il est clair dans le point ça. Il témoignait que US ambassadeur de l'Europe, enfin, ambassadeur de US au niveau de l'Europe, nous voulons parler de. En fait, l'ambassadeur de l'US au niveau de l'Union européenne, nous voulons parler de Gordon Sondland, c'est des séries de qui pas connaître rien en diplomatie, c'est des dons, il y a des dons, il y a des comme dans l'élection de Donald Trump, il prend le mettre en anglais. Mais les garçons, ils ont été gros tel, vous comprenez? Gros donneur, et puis le mettre diplomate, ambassadeur. Ils ne pas connaître rien, ils ne pas connaître qu'un principe, ils ne pas connaître des interdits qui gagnent en matière de diplomatie. Monsieur dit que. Et. Ambassadeur de l'Union européenne, non? En parlant de Gordon Sondland, Taylor dit, monsieur, dit que Trump voulait pour que président de l'Ukraine, nous voulons parler de Volodymyr Zelensky, il voulait mettre monsieur dans un petit soulier, dans un box, il voulait forcer monsieur faire une déclaration publique côté que pour ordonner une investigation sous, en fait, une réopen investigation, dossier de l'Ukraine qui impliquait. Petit Donald Trump là. L'idée voulait pour monsieur tout parler de cause et de comme quoi que c'est eux-mêmes qui étaient
a fait magou dans l'élection 2016, là, c'est pas là aussi. C'est yo qui te monté dossier. Le monsieur Biden demandé, un, impliqué que petit Biden nan magou, mais il était vrai pour monsieur faire une déclaration pour dire que tout ça, yo t'a parlé de implication là aussi dans l'élection, c'est un menti, son bagay qui te monté en Ukraine. Donc, c'est des bagay qui pour réparer Donald Trump. Il dit, il te vrai pour monsieur prendre micro, faire déclaration ça, ou même. Donc, c'est comme ça, bah, là. Et. Parce qu'il dit tout ça, et pour M. Jean Cobla, c'est après qu'il fait qu'il déclaration ça. Demande ça, il a été communiqué par le gouvernement ukrainien à travers de Jean Doula, ambassadeur de l'Union européenne, Sondland. Et il a été voué à travers un conseiller président tout. On te parle de Andrew Yebank. Et yo fait le clair, yo dit si monsieur pas parler ça publiquement, il pas besoin de crasse corps banken aide militaire. Yo te fait le clair ça. Maintenant Taylor, monsieur son qui normalement fonctionner dans cadre diplomatique côté respecter les normes, pas dans système tromplant côté que c'est loi auto fait n'importe bagarre toute ça l'eau pour aller dans l'intérieur. C'est comme ça le fonctionne. OK? Monsieur, il était conseiller gouvernement Ukraine pour pas mettre à risque support que le gain avec les États-Unis, pas mettre pas entrer col dans dossier ça, dossier politique, ça il était advice à gouvernement Ukraine. Et gouvernement ukrainien tout fond nous bien monsieur tout pas voulait pour utiliser comme un objet politique, il pas très aimer ça tout, mais il te ballon ultimatum, je te dis il gon ultimatum s'il pas fait ça va là-dedans. Après ultimatum là monsieur te vinn d'accord pour faire déclaration publique ça, bien que l'elle va faire là c'est les balati quand prend la rue, c'est quoi la prend la rue nèg quand ou il a gagne comme là, c'est ça fait monsieur pas de gain temps faire déclaration publique ça, c'est balati vinn prend la rue rapide rapide quand temps la gagne comme là. Voyez comme là. Donc, M. Baguette a fait déclaration publique là. Et dans plusieurs occasions, Taylor dit qu'il était confronté, il a discuté avec l'ambassadeur de l'Union européenne qui était dans le dossier pour persuader monsieur que pour le camper sous démarche ça. Là-dedans, tout est gagné, un diplomate qui c'est que de Volcker. Mais ça, monsieur, te dit Taylor. Il dit, moi, m'explique, Donald Trump, c'est un businessman. Et les un businessman si un chèque ba ou, c'est qu'on ou douil ou yon bagay. Et businessman depuis pou li toujours mande ou pou paye avant si un chèque la ba ou. Ça veut dire. Ça veut dire, li fait leur comprendre que fuck, Donald Trump son businessman, yon pral bay 400 million de dollars, pas bien comme ça. C'est pas pour Donald Trump. C'est comme moun ki paye taxes. Oh, j'aime monsieur faire comparaison là, c'est comme quand d'un coup de voile bah c'est dans poche Donald Trump, son chèque Donald Trump a signé bah yo en vente pour le signer c'est là, faut payer le upfront. C'est ces déclarations ça n'est pas fait. Son bagage qui nonsense parce que Ukraine pas doué Donald Trump. C'est ça vous comprenez? Cob là c'est pas cob Donald Trump bail Ukraine comme quoi Ukraine doué ou en avance. C'est Congrès qui décide qui approprie un fond. Donc Ukraine pas doué Donald Trump. Contrairement à ça que Volcker a essayé de faire comprendre. Donc, vous comprenez, jamais monsieur, tout détail. Il dit que Donald Trump, c'est un businessman. L'un businessman, en vente, si on chèque bas, il faut payer l'offre, il faut faire déclaration publique en d'autres termes. OK? Maintenant, avec tout détail, ça, toute parole, ça, que Taylor baille, c'est un témoignage, on dit dévastateur. Dévastateur. Et nous bientôt après témoin à ça en pile républicain yo back off, yo pas ka ouvrir bouche pour dire qu'on y a pas gagné ça nous relé quid pro quo, ça nous relé intérêt personnel, yo pas ka dire dans moment. Et fond ou bien c'est après témoignage ça qui fait que Donald Trump rapide il fait dans lundi dans mardi il relé pile député au niveau de White House, il dit monsieur bagarre là la marque 100 parce que
témoignage, monsieur, je te fais là, ça. Ça touche juste dans zo. Faut nous faire une stratégie, nous ne pouvons pas regarder. C'est ça qui t'explique que jeudi, en fait, on parle de hier mercredi, que tu as toute bataille, ça a pété tout dans le Parlement. Tu as commencé à dire, faut faire l'autre type de bataille parce que parole, ça, oui, abjoint là, c'est des paroles justement qui empêchent au monde de faire défense pour Donald Trump. Donc c'est ça, vous comprenez, qui fait que Negro, des douzaines de députés, 24 députés, débarquent justement dans une réunion secrète pour faire des ordres. OK? Parce que Negro commence à se sentir, après bah, ça, là, il y a l'autre qui est venu, toutes ces des informations compromettantes. Donc, là, au fini dossier, ça a ouvert le Sénat, c'est n'a pas pris côté pour le défendre Donald Trump. Donc, c'est pour qu'on puisse comprendre la réaction. Ça veut dire que témoignage Taylor, là, quand ça le fait, lui montrer, parce que t'es gagné avant deux témoins au moins qui t'es parlé en faveur de Trump. Après témoignage, c'est comme quoi, deux témoins ça, ils ont crasé, avec dit tout ça, ils ont montré, ils ont menti. À tel point que, ils ont dit que ça a tourné. Et si vous avez essayé de députer au menti, vous avez moyen pour arrêter. Ça veut dire que on a parlé là, et l'ambassadeur de l'Union européenne a dit que monsieur tourner, vienne parler encore. Parce que vous n'avez pas menti. Vous n'avez pas apparaître devant la chambre des députés pour vous menti. Et dit que ça a et si vous menti, parce que sous ces ou vous avez prison. OK? Donc, deux, vous avez qui était plus ou moins témoin en faveur de Donald Trump. Après ça, t'es l'autre dia, yon rendu compte que nèg sa ou te soumenti. Et gen yon républicain dans le comité a qui dit oui, effectivement, d'après tout ça, m'sot tande là. Nous voulons parler de Congressman Will Hurd, qui s'est député dans zone Texas. Il dit après tout ça, m'sot tande là, m'pense que faut Sondland, qui s'est ambassadeur des États-Unis au niveau de l'Union européenne, il dit que faut que m'sot tourne. Pour lui expliquer ça, il dit yo. Parce que d'après tout ça, t'es l'autre dia là, monsieur Dina menti. Maintenant, Taylor a plus loin. Il dit que l'élo baga la grave. Il ne parle pas à John Bolton. Et c'est là un moment ça, John Bolton te dit lui-même que il considérait démarche de la trop à faire son bagage drogue dealer. Son désastre à pied. Nous connaissons après Donald Trump et Bolton devine remettre démission. Il faut que j'en parle de manière publique. Maintenant, ça a arrivé que qu'on y a revenu le Bolton pour lui témoigner tout. Donc, monsieur te dit Bolton, ça a fait là. Bolton te dit, monsieur, pour te écrit directement secrétaire d'État à Mac Pompeo. Lui écrit Mac Pompeo, Mac Pompeo pas dit rien. Donc, ça veut dire que Mac Pompeo vient pour l'explication sur le dossier ça. Tout. Donc, voilà. Son façon pour dire que, ensemble de témoins qui ont venu, justement, il a montré des éléments compromettants dans le dossier ça. Un dossier qui charge à rebondissement, côté que je dis, des républicains, ils ont choisi pour mettre la force, entrer dans la réunion, frapper porte. Et le représentant démocrate dit, à partir de demain, si tu veux, ils ont pris le relais, pas bien que y ait ces gendarmes, des sécurités, justement, ils ont pris le relais, pour être capables, si ils ont une minute, parce qu'ils ont commencé à faire des ordres. Ça pidi nèg ou vin avec téléphone bah qui complètement interdit il a filmé témoin nèg ou a tweeté bah illégal donc yo parler les sécurité si pour arrêter nèg pour arrêter nèg parce que yo dit bien faut procès à continuer faut que investigation continue faut que continuer recevoir des témoins donc on dit que bataille match arène investigation entre dans niveau vous dit que nèg ou rend compte que si vous pas lever camper on dit Trump et sa bande parce que peut-être ça nèg ou ta dans maison blanche me dit. Je dis que si on va lever camper tout bon vrai, démocrate qui a fait ses deux monsieur à terre. Donc, c'est une bataille corsée que nous suivons pour à la minute. Rebrancher, nous l'avons. Et toute dernière information, justement, n'apportez-vous. Pas oublier, pour même qui ne montez pas bon ici là pour la première fois. On va peser subscribe là, on va peser cloche là. Veillez bien, on va peser cloche là, qu'elle sous tout, pour capable de jouer toute information que nous partagez avec vous. Portez-vous bien.